que tu fais ici, à cette heure-là? Je suis venu chercher mon amoureuse. Mais voyons, Pierre. Je t'amène à la campagne. Ben non, mais là, c'est mercredi, je suis déjà en retard. Puis il faut que je sois à la bibliothèque à 9 heures, moi. Pourquoi la campagne? Aller voir la maison de mon grand-père. Menteur. Oh, Lord! Vous avez bien composé le numéro de la bibliothèque municipale de Sherbrooke. Les heures d'ouverture sont le... C'est moi. Je pourrais pas aller travailler aujourd'hui. Non, je suis pas malade, mais... Mais t'auras juste à leur dire que je me sentais pas bien. Je comprends. Ouais, tu parles si je comprends. Et bonne journée. Et puis repose-toi bien. Hein? Bye. Là, on viendra pas travailler. Bonjour, Ghislaine. Bonjour, Claire. Elle rentrera pas aujourd'hui. Ah bon? Elle se sent pas bien. Elle est pas malade? Je sais pas, elle me l'a pas dit. Ça lui ressemble pas. Elle manque rarement. En fait, jamais, une journée. Moi, c'est parce que j'ai entendu des cris. Je t'inquiète. C'est correct, mademoiselle? Oui, oui. Excusez-moi, hein, c'est parce que j'ai perdu ma vache. On ne peut pas se cacher. En ville, on se cache. Ici, on ne peut pas se cacher. Fortune. Fournier! Oh, Fournier, je m'excuse. Puis la maison? Mauvaise heure, pousse dans la cuisine. C'est en ruine, hein? Mm-hmm. Vraiment, Pierre, tu devrais changer de voiture. It's my only whim. C'est un caprice qui coûte cher, tu peux même pas sortir de la ville, avec. Ah, je l'ai tellement. Tu l'avais déjà quand on s'est rencontrés. Je suis comme ça. Sédentaire et toujours au garage. Françoise. Ouais? Dis-moi si t'aimes ça. C'est le fun. T'aimes ça? Ouais. Ben, ça me surprend. Pierre,
C'est pas ton genre de musique, me semble. Transporté une erreur toute la journée, je me suis dit que j'allais la trouver avant de recommencer, mais... Ça sent bien comme toi. Ça veut dire quoi, ça? Je veux dire que t'as beaucoup d'énergie. Que tu es toujours au-dessus des choses. Que tu as du courage à tous les jours. C'est une déclaration d'amour, ça? Non. Oh! Alors, tu me laisses finir. What I want to do over the next few weeks is to examine. I mean, to go inside, underneath, and somehow to illuminate. Determine to ask ourselves why. Why do we have these passions within ourselves? Why do we have this war within ourselves? That, where do they come from? I mean, have they changed over the ages? And where have they? On se voit à peu près 5 heures par semaine. Des petits cœurs. Fois 35 semaines, si on compte pas les vacances d'été, Noël. Pape, jour de l'an. 3 petits cœurs. Ça fait environ 140 heures. 4 petits cœurs. Ce qui veut dire que dans 10 ans, on va avoir passé l'équivalent de 2 mois ensemble. Il y a des couples qui sont mariés depuis 20 ans, qui n'ont jamais passé 2 minutes ensemble. Au fond, ça t'arrangerait si j'étais mariée. Tu te sentirais moins coupable. Oui, oui, oui. Ah. Fille, qu'est-ce que t'as fait cet après-midi, hein? Bon, pas grand-chose. Françoise s'est tordue une cheville. Hein? Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'Annie est là? Elle a ramené Françoise à la maison puis est retournée à la banque. Quoi? Ramener Françoise à la maison, puis retourner à la banque. Papa? Alors, my little angel, comment ça va? Ça va bien. Raconte-moi ce qui s'est passé. Tiens, t'es là, toi. Puis un gros baiser pour ma grande fille qui a été si courageuse. Puis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas trop, elle courait. Ils m'ont appelé à la banque. Mm-hmm. J'ai essayé de te rejoindre. Je suis désolé, I went to the bookstore. Je ne pourrais pas passer te voir demain. La petite a eu un accident. Non, non, c'est pas grave, c'est juste un accident. Je peux rien faire. Je ne sais pas. Affaires plates encore. Ouais. Sa fille s'est blessée, son fils rentre pour coucher, son char est toujours en panne. Toujours quelque chose qui marche pas. Puis c'est jamais sa femme. Non. Non. Ça, il m'en parle jamais. Je sais même pas comment elle s'appelle. Mmh. Voyons donc. Bon sang. Ça s'appelle Annie. Annie. T'as pas envie d'aller passer un week-end à New York? Hein? Broadway. Je peux pas.
On a une chambre à l'hôtel. On va passer le week-end à ce district. Ailleurs. Je peux pas, j'ai trop de travail à la banque. Every minute of it. Tu dis toujours que t'as pas assez de temps pour toi. Là, tu vas avoir 3 jours tout seul. Profite-en. On se reprendra. Bruno! Go wash up. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On s'échappe, c'est qu'on n'est pas libre. T'es pas content que je sois venu? Oui, je comprends. Oh, je viens de manger. J'ai une surprise pour toi. Ah oui? Oh oui. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Oui, ok, à fond. Quatre jours à New York? Oui. Avec toi? Oui! Oh, oui. Ben oui, maman. Oui, oui. Non, je pourrais pas y aller. Parce que je serai pas là. Je m'en vais. À New York. À New York. Écoute, je vais te rappeler ce soir, OK? Monsieur Loutier, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Saviez-vous qu'il y a des pluviers qui nous tirent sur la montagne, ici? Oh, vous vous intéressez aux oiseaux? À leur chant. Ah. Tu t'en vas à New York? Oui. Je rêvais tellement fort que je pouvais presque voir tes rêves. Quelle heure était-il?
Est-ce que ton invitation tient toujours? Quelle invitation? New York. Fournier m'a donné congé. Qu'est-ce que tu fais là? T'as bu, hein? Un petit peu. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas bien? Elle dit quelque chose? Te faire de peine. Qu'est-ce que tu veux me dire? Parle. Je veux pas te faire de peine. Pierre. À propos de New York? Dis-le! Oui. Ça marche pas? Non. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi, hein? New York! Est-ce que les enfants vont bien? Vous avez pas trop de problèmes avec Bruno? Ben, je suis contente d'apprendre ça. Oh, l'hôtel? Oh, les chambres d'hôtel est très bien. Le plafond est un peu bas. En tout cas, Pierre, il trouve que c'est un petit peu bas, là. Thank you.
Le souper, ça va être prêt. J'arrive. Là, Bruno n'est pas rentré. Il est allé magasiner avec maman. Mm-hmm. Pourquoi t'allumes pas ta lampe? Tu vas-tu utiliser les yeux? Partir maintenant, il est seulement 5h moins quart. Lui quitter maintenant? Oui. Bien, alors allons-y. Oh, pardon. Pas assez long. Ici. J'y allais, moi aussi. T'as rendez-vous? Mm-hmm. Bon. Dans ce cas-là, on ferme. Tu fermes maintenant, là? Non, on ferme, on ferme. J'étais tellement touché par ta lettre. Je pensais que tu me pardonnerais jamais. Je t'aime. C'est plus fort que moi. J'ai pensé à toi tout le temps. J'ai trouvé ça long. Oui. C'est long, puis je me suis demandé si... En fait, pourquoi je continue à t'aimer. Je t'ai imaginé là-bas. Dans ton hôtel, sur la rue, avec ta femme. C'est passé. Je t'aime. Je t'aime tellement que ça me fait mal. Tu comprends? Tu me fais souffrir, puis moi, je continue de t'aimer. Moi aussi, je souffre quand tu es blessée. Et nous... Dis plus rien. Embrasse-moi. Encore? Oui, encore. Oh. Non. Non.
Partez, madame. Est-ce que papa est arrivé? Pourquoi tu veux pas qu'on parle comme deux personnes normales? Parce qu'on n'a rien à se dire. OK. Pourquoi tu penses qu'on se dit rien? Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait se dire? Écoute, là, j'ai un bug, puis... I have a bug. Mozart n'a pas eu de biographe plus passionné. Prenez-en bien soin. Bonsoir. Tu le fais attendre. Tu veux ce que je fasse en sortant? Oui. C'est tard maintenant, on n'a plus qu'une heure. Ah oui? Tu vas bien? Oui. Hein? Oui. Non. Bien. Non. Est-ce que tu vas comme ça? Dors un peu. Non. Et? Non! Non, il est tard. Il est même pas 7 heures. 7 heures moins 10. T'as encore le temps? Non.
Il est tard, il faut que je me sauve. Sauve-toi. Hey. Allez, allez. Va-t'en. Bye. C'est vrai que tu me tiens l'écart, je peux pas me coller sur toi, il y a ton bras entre les deux. Ok. On change de position. Colle-toi. Au. Oh. Mm. Une seconde. Non, mais descends tes bras. Ah. Lève ta jambe. Ok. Correct. J'étouffe. Pas confortable. Ah, non. Pas beaucoup. Tourne-toi. Oh. Ok. C'est mieux ça, ouais. Oui. Tes pieds. Oh, tes pieds sont froids. Aïe, aïe, aïe. Essouffle-moi. Sans massage, ça marche pas. Ça va? Oui, ça va. Oh fuck, je suis pas off. Qu'est-ce que tu fais là? As-tu vu ma cravate? T'en portais pas? T'en portais pas de cravate. Et ça? Ça fait 3 mois qu'elle est ici.
Blackbird. C'est bien ça. Monsieur Lautier. Ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Vous vous intéressez à la musique? Un peu. Venez. Claire. Pierre Blackburn. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis sûre que je vous connais. Est-ce que vous venez à la bibliothèque des fois? Non, pas depuis assez longtemps. Est-ce que vous allez bien? Oui. Je peux dire que ça va. Mon Dieu, je ne vous ai pas téléphoné depuis 4 ans. Ça ne fait rien. J'ai reçu votre petite lettre quand j'ai quitté l'enseignement. Elle m'a fait grand plaisir. Mais je vous retarde, là. Non, 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 je suis tellement content de vous voir. Venez donc à la maison un de ces jours. Oui. Promis. Les trios de Mozart? C'est une beauté. Quand on est en vacances, on se voit presque jamais. Chacun de son côté, avec sa famille, ses parents. Puis ça, ça me tente pas. Si les choses étaient différentes, nous aussi, on serait différents. Oui, mais je les déteste. Quoi? Mes parents, je les déteste. J'ai jamais dit ça à personne. J'ai même jamais cru être capable de le penser assez fort pour le dire. Je les hais. Hein? Même pas 3 semaines, c'est vite passé. Après, les choses vont changer. Comment ça? Je ne sais pas. Il faut que quelque chose arrive, n'importe quoi. Sinon, tu vas commencer à me détester. C'est pas parce qu'on déteste quelqu'un qu'on cesse de l'aimer. Vous voulez le tien d'abord? Non, 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 attends. On commence par le tien. Alors, choisis-en un. Non, 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 regarde. Choisis-en un. Bon. Un dictionnaire? Une cassette, peut-être. Oui. Ah oui. Il y a un cadeau pour le cœur, il y a un cadeau pour le corps. Parce que j'aime les deux. Et là, c'est pour le cœur ou pour le corps? Le corps. Mozart? Les trios de Mozart. C'est beau. Merci. Bon, allez, ça t'entoure. Allez, 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 allez. Pour ton bureau. Comme ça, je serai toujours un petit peu avec toi. Merci. Bien, c'était ton tour encore. Ben oui, le deuxième. Savais-tu que l'homme sur la photo, là, avec un béret? Savais-tu qu'il vient de Montréal? Non. Oui, je te dis. C'est quoi? Une boîte à pain? Non. C'est une boîte aux lettres? Oui. Une belle boîte pour nos lettres. On s'écrit presque plus, Pierre.
quoi? Ça. Ah. Je me suis fait un cadeau. C'est pas juste. C'est pas encore Noël. J'ai pas pu résister. Hey, je vois partout cette photo-là. Ah, c'est pas vrai, ça. Oh, ouais, c'est une bonne couple de fois, je la vois. Et que t'es romantique, on la voit partout, cette photo-là. Ouais, c'est parfait pour la chambre. Bon, j'ai pensé de l'accrocher dans le bureau. Non, dans la chambre à place de nos tournesols. Les tournesols vont aller dans ma chambre? Oh, oui. Bon, si tu veux. Le gars avec un béret et des lunettes, là, c'est un gars d'ici. Nous voyons. Moi, tu sais ça? Je l'ai lu. Le petit couple, qu'est-ce qu'il est devenu? Bénissez-nous, mon Dieu, ainsi que la nourriture que nous allons prendre. Amen. Tu le vois s'enferger dans ses mensonges puis ses états d'âme. Ses états d'âme. Je t'aime, mais tu sais, là, je me sens pas prêt encore. Il me faut encore un petit peu de temps, puis tu le traites là-bas. Dans ses états d'âme, il puisse vivre, faut que je pense. Ça passe. Le mot le dit, la passion, ça passe. Non. Passion, ça vient de souffrir. Une raison de plus. Il n'y a pas de passion sans souffrance. Toujours, je pense à toi. Je ne pense qu'à ça. Yeah, okay, I'll call you later. Yeah, George. Yes, I'll have the notes ready now. Hello? Not to worry about that. Yeah, right, bye-bye. Puis, t'as trouvé un chauffeur? Faisais du pouce. Encore? Hey, l'autobus fait le tour de la ville avant de passer ici. Everything is unprepared. Lived immediately now for the first time. Therefore, our life constantly resembles a sketch. No, even sketch is not the right word, because a sketch is an outline of something, preparation of a canvas. But the sketch that is our life is an outline of nothing. T'aimes ton odeur. Moi aussi.
J'aime ça quand t'es près de moi. Moi aussi. J'aime ça quand t'es d'accord avec moi. Moi aussi. Les hommes regardent toujours les femmes de la même façon. Épouvantable. Surtout s'ils désirent. Le maître de la proposition est définitive. Vous vous souvenez de ça? Ah oui. Aujourd'hui, plus personne n'oserait donner un cours là-dessus. Est-ce que l'enseignement vous manque, Monsieur Lottier? Je vends mes livres, Blackburn. Je n'aurais jamais pensé ça, c'est vous dire l'enseignement. Vous voyez tous ces disques? Je vends mes livres et j'achète des disques. Les livres m'ont tenu éloigné trop longtemps de la musique. À 30 ans, on se donne des vocations. À 40 ans, on déchante, on se replie, on range ses petits papiers dans le tiroir. À 50 ans, on ne se cache plus qu'on est sur l'autre versant de la colline. Et quand on cesse de travailler, on a tout le temps qu'il faut pour penser à ce qui nous attend. Alors, voilà pourquoi la musique. Ses passions, ses fureurs, ses trous noirs, n'est-ce pas? Est-ce que vos élèves lisent Gide? Non. Regardez-moi aussi. Ah oui? Oui. Ça m'excite. Belle-moi de ton sexe. Il est chaud. Oui. Les enfants pour l'impôt, c'est moi qui les prends ou c'est toi? Toujours tout.
des impôts. Les miennes aussi. T'es pas fatigué de vivre avec moi? Pourquoi tu dis ça? Nous deux, on fait dans le long terme. Quand ça sera un problème, je te dirai. Ça sent bon, la sauce? Un petit anglais. Je parlais français. Oh oui, j'ai bien pensé. Je trouvais ça tout à fait charmant. Bon chapitre sur les femmes qui vivent dans l'ombre. Et les maîtresses. Et tu vas voir, tu vas te rendre compte que t'es pas toute seule à vivre ce que tu vis. Lis-le. Hein? Qu'est-ce que ça fait un garçon de 13 ans à la gare? J'ai pas été à la gare. Don't lie to me. Marc me le dit. Ah, parce que t'as des espions maintenant. Tu n'as pas des espions. J'ai juste été jouer ces jeux. Tu veux aller jouer aux arcades? Correct. Vas-y. But tell us. Annie et moi, on veut savoir où tu vas quand t'es pas à l'école, quand t'es pas à la maison. Juste ça. Sinon, tout le monde s'inquiète pour rien. Tu comprends? Ouais. Tu t'attendais? Oh, je m'ennuyais de toi. Aussi. Ça va bien? Oui. Elle est belle. Elle vient de la maison. Ah bon? T'as pas donné beaucoup de nouvelles dernièrement? Oui, je sais. Que t'as fait? Rien, pas grand-chose. J'ai parlé avec M. Lautier. C'était la première fois, je crois, qu'on se parlait. Puis toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi, je t'ai attendu. J'ai essayé de téléphoner. Ah oui? Je pouvais pas sortir. Je pouvais pas sortir. J'étais malade. Pourquoi tu m'as rien dit? Je n'oublie pas, tu t'inquiètes. Évidemment, moi, j'ai pas le droit de m'inquiéter. Mais Pierre, t'étais vraiment malade. Si t'avais un accident. You're in a good mood, hein? Non, mais c'est vrai, Pierre. Si tu mourrais demain matin, là, est-ce que quelqu'un penserait à prévenir la petite bibliothécaire? Non, mais est-ce que j'aurais le droit de pleurer, moi aussi? Non, calme-toi! Qu'est-ce que tu veux au juste? Que je m'engage par écrit? Oui! Parlons d'autre chose, veux-tu? Non, je veux pas parler d'autre chose. Je pense que je vais rentrer. C'est une bonne idée, ça. Ta famille doit commencer à s'inquiéter. Puis oublie pas ta cravate. Laure! Pas tant! J'aime
pas ça, te voir souffrir. Alors, calme-toi. J'essaie même pas de comprendre. Je veux juste que tu te calmes. Donne-moi ma clé. Pourquoi? Parce que je veux que tu me redonnes ma clé. Pourquoi? Parce que... Tiens. Tiens. Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Dans 15 minutes. Je resterai pas longtemps, je te jure. Je vais rester 5 minutes. Et je veux te voir, toi, chez toi. Maison. Ça, c'est le bureau. Mais regarde pas, hein? C'est le bordel. Je traîne toute la journée d'une pièce à l'autre. C'est ici que tu travailles? Oui. Tu dors là? Souvent. Salle de jeu? Veux-tu quelque chose? Non, merci. Un café? Un morceau de gâteau, hein? Assieds-toi. Je vais préparer quelque chose de spécial. Je ne peux pas m'asseoir, Pierre. Qu'est-ce que t'as alors?
Qu'est-ce que t'as? Je te dis. Laure. Doucement. Viens me reconduire. Le pire, c'est que je me sens pas divisé. Avec chacune d'elles, je me sens tout entier. Je suis un homme qui n'a pas vécu. Je vous écoute. Mais je ne connais rien à tout cela. Ce que je sais, je l'ai lu. Votre femme est au courant. Elle se doute rien. Vous croyez? Enfin, je pense qu'elle se doute rien. Si elle l'apprenait, je ne sais pas ce qu'elle ferait. Les femmes attendent qu'on les épouse. Et elles ont raison. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Nous ne sommes rien à côté d'elles. Seulement, on ne peut pas épouser deux femmes. En même temps, non. C'est pas ce que je veux dire. Je pense qu'on ne peut pas épouser deux femmes, même après un divorce ou un décès. Je ne comprends pas. Je pense qu'il n'y a qu'une femme, une seule, dans la vie de chaque homme. Une seule qui fait la différence. On n'a qu'une âme. C'est notre part indivisible. Repose-toi bien, hein? Passe une bonne semaine. Oui. Un dimanche? Le dimanche prochain. Je t'attends à l'aéroport? Oui.
lève. Allez. C'est le matin. C'est le matin. Le matin. On n'est pas à Sherbrooke. Non. À Sherbrooke, il n'y a pas de matin avec toi. Allez, lève-toi. Que ça dure tout le temps. Tout le temps. Moi aussi, Laure. As-tu bien dormi? Oui. J'ai fait un drôle de rêve. Quoi? Je recevais une lettre de toi. Quelle sorte de lettre? Une lettre d'adieu. Pierre, si jamais tu me quittes, là, je veux que tu me le dises en face. Je veux t'entendre me le dire. J'aimerais mieux qu'on s'écrive pas cet été. Pourquoi? Parce que c'est mieux comme ça. Voyons donc. Il nous reste 2 jours pour en parler. Mais si. Hello. Annie? Où es-tu? À l'aéroport? Non, prends pas un taxi. Non, je pars tout de suite pour venir te chercher. Hey, ça me fait plaisir, hein? J'ai rien que ça à faire. Non. D'accord. Oui, bye. Annie, ma femme est là. M'attend à l'aéroport. J'ai compris. Dépêche-toi. Il va pas arriver dimanche? Je sais, mais dépêche-toi. J'aurais jamais dû venir ici. Dépêche-toi, veux-tu? OK. Maintenant, c'est fait. Vite, vite! Il faut que tu partes, OK? Ah ouais? Ramasse tes affaires. Je vais être de retour dans 1 heure, OK? Ça te donne 1 heure, il faut que tu partes avant. La famille. Bonjour, papa. Bonjour, ma petite. Bonjour.
t'en fais une drôle de tête, toi. Tu m'avais dit que tu arrivais seulement dimanche. Et tu vois, j'ai pu m'arranger. On dirait que t'es déçu. J'ai essayé de te prévenir hier, t'es sorti. Oui. Je t'ai téléphoné de l'aéroport à midi. T'étais pas là. Dans le fond de ta valise. Mmh. Préparez votre chambre, les enfants. J'ai nettoyé la maison. Tu aurais dû voir ça. C'était le bordel. Ça se voit. La vaisselle est pas faite. Le lit est pas fait. Il y a des serviettes qui traînent partout. C'était pire que ça. OK, watch yourself. Je vais te faire avaler par un gros pelican. Ah. Regarde, j'ai trouvé une bouteille de parfum. Ah oui, oui, je sais, c'était là quand je suis arrivé. C'est rare qu'une femme oublie ça. Tu vois bien que ça arrive, hein? Comment? Ça te va pas. Oh, je le garde. Annie, ça te va pas? Je le garde. Je l'avais jamais vu comme ça. Il était terrifié. C'est comme si... C'était même plus lui qui agissait, c'était un autre homme. Tu comprends? Oui, un homme marié depuis longtemps, alors c'est une moitié d'homme. À moitié lui, à moitié l'autre. Oui. Peut-être qu'il l'aime encore, sa femme, justement. Puis as-tu donné signe de vie? Bon, il a téléphoné. J'ai pas répondu. T'es sûre que c'était lui? Ben, j'ai comme senti. Oui, c'est vrai que ça se sent. Il m'a écrit aussi. Il n'a même pas signé. Il fallait que ça finisse un jour. Pas comme ça.
vas être obligé d'aller au bureau de poste. Quoi? T'as reçu un petit colis. Tu l'as pas pris? Tu voulais même pas me le donner à moi, ta femme. Ils sont pires qu'avant. J'ai pas envie. Ben, il faut y aller. J'ai reçu les livres que j'ai commandés. Je t'en donne. Love letters? Je vais le lire. Lettre imaginaire à la femme de mon âme. /753.1 SM 110. Le. Aïe, aïe, aïe. Lettre de Juliette Drouet et Victor Hugo, c'est extraordinaire, ça. Je pense qu'elle a écrit comme 1000 lettres d'amour. OK, 792. 092 D 788. Le. Okay. Sois bien fine, elle est partie dans le rayon des correspondantes des grands amants. Des histoires tristes. Pleure pas pour ça. On va se baigner. Allez-y. Dernier à l'eau, t'as peur. Oh, t'es mouillé. Ah, ça, ça fait du bien. C'est ce que j'aimerais. Non. Quoi? Tu te fasses pousser une moustache. Moustache? Je suis certaine que ça tirait bien. Voyons donc. Regardez ses épaules, une petite taille, des petites fesses bombées. On y voit même pas le visage avec non, ça. Non, c'est pas ça qui est important. Il doit tout ses strings. If he could observe himself, I mean, if he could just, if he could see, I mean, he speaks. He doesn't hear himself. And not as in a dream, but as in war. When everything is too loud. As in, as in... hopelessly in love.
Je suis content de te voir. Tu devrais avoir honte de me parler. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu m'as fait? J'essayais de t'appeler. Mais j'ai reçu ton petit mot. En fait, tes deux petits mots. Je me serais attendu à plus que ça. Hein? T'as pas reçu mes lettres? Oui, j'ai reçu la boîte avec tes lettres, enfin, mes lettres. Non, non, pas ça. Les lettres que moi, je t'ai écrites. Moi, j'ai rien reçu. Pierre, je t'ai envoyé trois lettres. J'ai rien reçu. Je ne suis pas allée à la poste de l'été. Oui. C'est Annie qui allait. T'en fais une drôle de tête? Annie. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait avec les lettres? Quelles lettres? Cet été en Floride. T'attendais quelque chose? Je me rappelle, t'avais reçu un colis avec des livres. Il me semble que si t'avais reçu d'autres choses, je m'en souviendrais. J'ai pensé recevoir une lettre, des fois. C'est si important? Le courrier là-bas, c'est pire qu'ici. Oh, je sais que t'es là. Laure? Ouvre-moi, s'il te plaît. Reste ici. C'est pas con, je vois pas. Non. Ouvre-moi, s'il te plaît.
s'il te plaît. T'as oublié ta cravate? Ton auto est tombé en panne en face de la maison, peut-être? Qu'est-ce que tu veux, Pierre? Plus forte que moi. Je pense à toi tout le temps. Je ne peux plus me concentrer sur rien. Quand je te vois, j'ai l'impression d'avoir le vertige. Cette fois, c'est pour vrai. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Tu veux écrire? Je veux finir ma thèse. The Romantic Influence and Loyalist Writing. Tu t'en souviens? Tu travaillais déjà là-dessus quand on s'est rencontrés. Je vais reprendre la recherche, j'ai encore mes vieilles notes. Je vais replonger dans mes livres. Et puis, je vais me faire installer une autre ligne de téléphone. C'est sérieux? Tu t'enfermes? Peux-tu passer me chercher à la banque demain? Qu'est-ce que t'as à manger pour le souper? Qu'est-ce que tu veux faire? Des huîtres. J'ai déjà la perle. Tu t'intéresses à ça maintenant. Bien. Tu le revois. T'es pire que moi. Je sais. Mais...
tard. Madame Blackburn n'est pas là? J'y vois de moins en moins. Mais c'est signe que j'avance. Ah oui. Ma vraie vie est ici avec toi, avec mes cahiers, dans le secret. Est-ce que c'est ça? Notre vie. Thank you.